Palais de Côme. Donc, pour 48 heures en barrage. C'est un barrage pas loin de 100 hectares. Donc, cette année, j'ai vraiment décidé de venir pêcher ce barrage pour la première fois. Je suis venu une fois accompagné d'Alexandre et de Vincent sur ce poste. Nous sommes arrivés sur le poste, du coup, fin d'après-midi. Vincent nous a rejoint. Donc on s'est tranquillement installé, on a tendu les cannes proprement. Alors faut savoir qu'on est sur une des parties les plus profondes de ce plan d'eau, donc à l'intersection des trois bras. Donc on a fait 24 heures, malheureusement on fait aucun poisson. Et je suis revenu aussi à la compagnie d'Arnaud pour 96 heures. On était parti 1 km plus haut. Donc salut tout le monde, donc là on se retrouve sur un barrage d'à peu près 100 hectares, donc avec Arnaud. On a déjà passé deux nuits sur un poste 1,5 km plus bas, malheureusement le poisson n'y était pas. Je fais quand même un départ sur une canne en bordure, en dérivation, donc dans 3-4 mètres d'eau. Donc une belle coco d'à peu près 5-6 kg, ouais. Typique du barrage, un beau poisson. Et donc là on a remonté le barrage, donc Arnaud explique le poste un peu. On a décidé du coup de remonter le barrage pour aller chercher des niveaux beaucoup plus faibles. Donc là, enfin beaucoup plus faibles, on a quand même 4 à 5 mètres d'eau. On pense que le poisson il est encore localisé dans les anciens postes de frais où il y a des faibles profondeurs. Le poisson il a dû frayer il y a 3 semaines, 1 mois. C'est ça, ouais. Voilà, donc c'est la décision qu'on a prise. On est arrivé, donc Mathieu est parti faire ses heures de conduite. Et oui, le minot il a pas le permis pas encore. Donc moi j'ai tendu mes 3 cannes. Donc dans deux armes immergées, hein, et dans le lit de la rivière. Et surprise, en arrivant sur un arbre immergé, deux poissons. Deux poissons, la canne elle a déroulé 3 heures après. Ouais. Petite coco, pas très grande, mais premier poisson de ce barrage. Quatrième poisson breton, donc ça fait plaisir. Le ouais. Normand, il retourne dans la Bretagne. La Bretagne, ça te gagne, hein, mais il pleut beaucoup, hein, les gars. En tout cas, c'est de bonne augure déjà. Hein. Il nous reste deux nuits, on croise les doigts. Hein. Ça va le faire. Oui, je pense que... On est confiant. Bon, on n'a pas un poste 5 étoiles. Et on va dire que c'est l'inconvénient, mais ça se fait tout son charme, des lacs très encaissés. Light in the fire at a place we know, all I see is you. Chasing the time, I don't wanna go, I don't wanna go. Running by the river, we thought we had it all. Floating for a moment, oh, how quick we fall. But now I know that nothing could hold you and you'd always stay free, oh. I'll never be lonely, cause you're always with me. Oh, no, you're always with me. Oh,
with me. Là il est 14h, donc j'étais parti ce matin, j'avais un rendez-vous de 9h à 14h justement. Pendant ce temps-là, Arnaud a fait un super poisson. Donc là, je bouge une canne, je la mets vraiment dans le lit de la rivière, donc dans 4 mètres d'eau. Et les deux autres en bordure. Il y a un beau poisson là, Arnaud. Ouais. Combien? Après tant de galères, tant de bulles en fait, chaque nuit on espérait faire un poisson et on faisait rien. Et là, 13h, sur une canne que j'ai tendue hier à. À 15h. À 15h, donc on l'a pas touché, elle a déroulé à 13h, donc sur une 24 mm avec un bonhomme de neige de la gamme Pacific Tuna. J'ai arrosé la zone principalement de billes, j'ai juste agrémenté de noix tigrées pour vraiment essayer d'attirer un peu le blanc. Et voilà, quasiment 24 heures dans l'eau, paf, gros départ, cintrage de la canne en bonne et due forme. Pouf, combat en zone, et voilà, le master il est là. Un poisson de 16 kg. Un pavé de barrage. Le Graal. Et là, donc on arrivait en fin de matinée. Donc on voulait se mettre justement plus haut, on avait fait des poissons, malheureusement le poste était pris. Donc on est revenu sur ce poste. Donc le poste avec les trois arrivées. Et on s'est maintenu sur aller vers 6h.
Et premier départ, voilà, 18h. Malheureusement, une décroche. Ouais. Ouais, vraiment assez dégoûté. Donc sinon, au niveau des cannes, qu'est-ce qui vous a passé ou Alors, la canne de gauche qui a eu le départ tout à l'heure, donc à 5 mètres de la bordure. Après, ouais. La canne du milieu, elle est posée à plus de 200 mètres de notre poste. Ouais, donc, pareil, à peu près à 5-10 mètres de la bordure, on a trouvé des différentes tâches d'eau. Ouais, donc là, on a été dans 7 mètres d'eau à peu près. Ouais. Essayer de trouver la profondeur où se situent les poissons. Et puis la canne de droite à 40 mètres de notre poste, donc c'est totalement différent des autres. 40 mètres de notre poste, vraiment sur le petit bras, pas milieu du bras, dans 8 mètres de droite. Donc tu vois, pour ma part, j'ai mis une canne sur la bordure à gauche et une sur la bordure d'en face dans 11 mètres d'eau. Voilà, j'ai vraiment varié les fonds et en fait ça tombe vraiment à pic là-bas, c'est une falaise. On va bien voir ce que ça donne, je suis dans le bas de la cassure. Et ma dernière canne dans le dernier bras. Donc dans 6 mètres d'eau, voilà. On est parti, c'est déjà bon signe, un départ. Il a une touche à peine après avoir reposé. Donc c'est bon signe, le poisson a l'air d'être là. On croise les doigts vraiment pour la suite. Allez, c'est parti. Puissance du fiche, quoi. Bon voilà, je sais pas il est de quelle heure là, entre 6 et 7 heures. Quelques petites touches la nuit là. Putain, on va y aller en bateau. Bon voilà, du coup j'étais en train de vous dire qu'il était à peu près 6h30. Et là, gros départ sur la canne en bordure, grosse déroule. Et là on a dû partir en bateau pour la contrer. Parce qu'elle partait vraiment à bordure, sous les branches. Et là il y a un très beau poisson. Pas une touche de la nuit, à part quelques touches de blanc pour com. Mais voilà. Là on a un beau poisson. On commence à ne plus y croire, mais super, on va rester sur ce poste, on va pas bouger. Et puis on va persévérer. Et voilà, super quoi. C'est bon. Oh, les rushs. Ouais, impressionnant. Oh, oh linéaire. Oui, oh oui, c'est magnifique là. De prendre des cartes, on s'amuse. Ah, faut mieux passer le temps. Bon voilà, du coup il est 7h30, je viens de mettre le poisson en sac pour qu'il se repose et pendant ce temps là du coup je vais aller retendre la canne. Donc je vais vous montrer l'amorçage vu qu'on vous en a pas encore parlé. Donc là on fait vraiment un amorçage complet avec toutes sortes de graines, du maïs,
du bicorne. Du Shenji. La Tiger. Bien sucré. Et enfin, du mélange pigeon. Avec un peu toutes sortes de graines aussi. Voilà, à peu près 1 kg par canne. Et puis après ça, je rajoute une vingtaine de bouillettes sur le coup, coupées en deux et denses. Et voilà. 500-700 grammes de graines là que je vais ramasser, c'est parfait. Bon, voilà, du coup là, on arrive sur le poste. Donc vraiment sur notre bordure là. Et là, il y a deux gros saules. Donc ce que je fais, c'est que je pêche un peu plus loin quand même. Parce que le niveau d'eau a quand même baissé d'un mètre à 1,50 m là depuis la dernière fois qu'on est venu avec Arnaud. Et du coup bah ça casse pas aussi direct que l'autre fois. Donc là je suis dans 3,5 m sur du dur, à peu près 10 mètres du sol, voilà. Donc je vais amorcer des bouillettes assez éparpillées pour les faire chercher. J'en ai coupé certaines en deux. C'est parti, entre. Wow, elle est belle. Oh la bouche. Et voilà, ce magnifique poisson, presque linéaire. Voilà, de 12 kilos on l'a pesé. Un super fish vraiment, prise avec une pop-up live system en 24 mm. Voilà, un super poisson. Ah, ça fait plaisir vraiment, en espérant faire d'autres. Et voilà, allez, on va la relâcher. Super.